sample of body. If you don't get money, make you hide your face. So wait till you go, girl, I'm show up a bar. Wait till you go, girl, I'm show up a bar. No page can life be easy. I show a cover, la 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 la. Liga, the money with the final. Now it's ego talk, hey. Now ego with the final, aye. The money with the final, aye. Now it's the ego talk, oh. Now ego with the final, aye. See ya, they go stand on the road, they sample a body, aye. If you don't get money, make you hide your face. They go stand on the road, they sample a body. If you don't get money, make you hide your face. So wait till you go, girl, I'm show up, 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 up. Wait till you go, girl, I'm tu prends beaucoup de temps. Ouais, j'arrive. T'inquiète, j'arrive. C'est toi que j'attends. D'accord, j'arrive. Presque fini? Ouais, j'ai presque fini, j'arrive. Ouais, j'ai presque prends fini. Ton temps. Prends ton temps, oui, bébé. Je me reste déjà, ma chérie. Mm-hmm. Je me reste déjà. Oh, très nécessaire. Tu aimes l'eau, apparemment. D'accord, j'arrive. Tu prends un précieux temps sous la douche. D'accord. Les repas sont très délicieux ici. Les poissons sont exquises. Peux-tu m'entendre? J'arrive. Prends ton temps. Oh, on a plein d'alcool à boire ici. Je t'attends. D'accord, ma chérie, j'arrive. Ouh. Oh, enfin, tu es là. Oh, putain. Tu as l'air en forme. Ouais, je bosse beaucoup sur moi. Ouais, je travaille beaucoup pour ça. Je dois toujours être un superbe femme pour des meufs comme toi. Je dois pouvoir te faire crier de plaisir. Oui, comme une sirène. Quand j'entre en scène, ma chérie, avec moi, c'est un pied en l'air. Oui, tu peux me croire, un pied en l'air. Oh mon Dieu, mais putain, tu vas me tuer, bébé. En action, un pied en l'air. Bon, oh mon Dieu. Encore, encore, encore. Tout ce que tu veux, bébé, je vais te le donner. Tu fumes quoi? Non, 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 je ne fume pas. Non. Oh, putain. Oh mon Dieu! Tu veux boire un coup? Non, je ne bois plus. Je ne bois plus. C'est sûr. Du vin? Ouais. Le vin? Bébé, oh putain de merde. Si tu veux boire, je t'en donne. Compris, d'accord, tu bébé. Tu sais ce que je te fais. Ouais, bébé, t'es en feu. Ouais. T'es en feu. Ouais. Tu te lèves? T'as un super cul, bébé. Waouh, tu as tout, ce bébé. Faut. Oui, bébé, t'as une poitrine, un super cul. Être. Oh putain. Oh putain, c'est pas possible. Oh, ma chérie, mais putain, qu'est-ce que tu vas me tuer? Oh là là, oh, 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 oh,
Mais bébé, avec toi, je vais devenir fou. Oh là là. Oh, mon chéri, tu es tellement bonne. Oh là là. Oh, mon chéri. Tu es. Oh là là. C'est vrai, Oui. J'adore. Comment avec une superbe poitrine. J'ai tout ce que tu veux. Oui, tu es. J'ai tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Tu dors. Je vais te faire ci, je vais te faire ça. Comme si tu peux bien niquer une œuf, idiot. C'est pour ça que je t'aime. T'es plein aux as. Oh, meuf. Oh, meuf. Je suis riche. Autant d'argent, autant de fric, putain. Merde.
Waouh, de l'argent partout. Ouais. Quelle journée. Youpi. Toujours belle je suis. Je t'aime. Ouh. Je suis riche. Bois ta bière. Tu sais, je t'aime beaucoup. Et je peux tout faire pour toi. Regarde, je peux acheter un Kobe. Ici ou pour toi, même les villages voisins. Chef, écoute, tout ce que tu racontes là ne me sert à rien. Ce que je veux entendre, c'est combien tu vas me payer. Combien vas-tu me payer? Écoute, dans ce village, je suis la seule influenceuse de ce village. Mon minou est sucré. Mais... ma chatte est très sucrée. Ok, tu es sucrée au milieu. Je vais le goûter tout à l'heure. Ok, rébé. Papa. Rébé. Écoute, caresse-moi. Ici, au téton. Chef, dis-moi, je vais partir. Dis-moi juste ce que tu vas me donner. Ok, d'accord. Je vais te donner 1000 naira. Je vais te gâter. Pardon? Donc, toutes ces bières que tu m'as achetées au bar, on arrive à l'hôtel, tu veux me donner 1000 naira? Les bières sont plus chères que moi? Donc, les bières sont plus chères que moi? Rébé, allez, bois ta bière, écoute, je ne te fâche pas, d'accord? Attends, rébé. Hey, moi. Oui, moi. Rébé, écoute, je vais te donner 1500 naira. Je vois que tu n'es pas sérieux. Combien est-ce que tu vas me donner? Tu donnes 1500 à qui? Suis-je une crevette? Combien est-ce que tu vas me donner? Écoute, je suis là pour te satisfaire. 2000. La dernière fois qu'on était ensemble, tu m'as donné 2000. Je ne veux plus 2000 naira. La somme que tu vas me donner aujourd'hui, c'est 3000 naira cash. Attends. Si tu refuses, je m'en vais. Écoute, attends. Tu sais que je suis la seule influenceuse de ce village. Dans ce cas, je vais te donner... 2500 naira. Alors, t'es contente? Je m'en vais. Bois ta bière. Prends ta bière, je ne veux plus non, boire. Non, allez, attends. Bois ta bière. Tu vas me donner 3000 naira. 3000, je t'assure, 3000. Mais attends, j'ai envie de toi. Non, argent à main, caleçon en bas. Donne-moi les 3000 naira. Rébé, oh. Hey, tu fais plein d'argent, oh. Rébé. Chef. Donc, tu voulais me donner 2500? Rébé. Ce que je vais te faire aujourd'hui, ce sera du jamais vu. Écoute, je vais te donner ça comme une chienne. Rébé. Hey! Hey! Tu sais, l'argent est très sucré. Rébé! Allez, prends ça. Chef, avec tout l'argent que je vois là, tu me donnes 2500? Alors que je vois encore beaucoup d'argent. Ah, c'est ok. Rébé. Laisse tomber. Hey! Pas de problème. Eh vous? Ah, chef, qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi sentir bon pour toi, non? Tu ne te douches pas?
Ah hein? Ben, j'ai appris un peu à la maison, non? Chef, écoute, écoute, tu sais bien que tu es vieux. On sait que les vieux sentent le bouc. Si tu sais que tu veux toucher mon corps et que je touche ton corps, pardon. Va à la douche, prendre un bain et on baise en paix. J'ai pris un bain à la maison, non? Chef, si tu ne te laves pas, je ne te touche pas. Lave-toi et on baise. Je te promets, tu vois ça? Tu vas lécher ça. Ma chatte est très sucrée. Au milieu? Très sucrée. Très sucrée. Va juste te doucher. Va te doucher et reviens. Je t'attends. Je vais te lécher. Je vais te lécher ici, chef. Je vais te lécher jusqu'au téton. Je vais te lécher. Écoute, tes hanches, je vais te donner la dislocation. Tif, tif. Rêvez, mon sucre. Je veux que tu me laves en bas. Écoute, ici. Hein? Lave ça très bien. Lave ça bien. Va te doucher, bébim. Papa! Papa! Rêvez, mon chéri. Je veux que tu te laves très bien. Oh? Compris? Rêvez, mon chéri. Papa! 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 Chef. Rébé, je suis en train de te répondre. Chef. Hey. Chamaud, les gars, chamaud. Bahama. Et j'ai vraiment très froid. Bahama. Bébim. Non, cet hôtel est trop local. Un minable hôtel, pas étoilé. J'ai utilisé cette serviette pour... C'est quoi ça? Débardeur Haïti Neke. Tu es de la vieille école? Prochainement, ne m'amène plus dans ce genre d'hôtel. Amène-moi dans un hôtel classe. Prends ta bière en trinque. Trinquons. On doit bien se saouler. Après s'être saoulé, chérie. Je vais m'assurer de te toucher partout. Santé, mon chéri. Rêvez. Ma chatte est très sucrée. Chéri, tu vas me lécher. Tu vas me lécher. Me brouter comme la chèvre. Je vais t'amener au ciel. Rêvez, mon. Ok. Chef. Yenge. Ok, d'accord. Allez, caresse-moi le ventre. Allez, caresse par ici. Allez, caresse-moi. De bas en haut. Tu aimes quand je te fais ça? Allez, caresse-moi de bas en haut. Allez. Tif-tif. Un verre. Tu aimes bien ça? Quand je te caresse. Stupide vieillard. Idiot. Con. Tif. Dans ce village, c'est moi la maîtresse du game. Tif est tombé. Ça te servira de leçon. Espèce de salaud.
Tous les jours, tu m'appelles pour me baiser, me baiser, me baiser. Et tu me baises pour me donner des miettes. Ah, ah, ça c'est trop bon. Chat sucré. Enfin, ton argent m'appartient. Pour tout ce que tu m'as déjà fait dans ce village, je vais te punir aujourd'hui. La reine du game. Chaque jour, je décaisse. Tous les jours, je décaisse. Vous voyez? Je l'avais bien dit. Hein? Toutes ces meufs riches, ces nanas qui partent en ville et en Italie, hors du pays, pour faire notre boulot de pute. Hein? Elles ne savent pas bosser. Hein? Celles du village sont de vrais pros. Chaque jour, une grosse paye. Chaque jour, une grosse paye. Chaque jour, chaque jour. Mon petit bébé, ma poupée, oh Malika. Oh. Mais qu'est-ce que j'ai? Où est-elle? Oh Malika, mon bébé, t'es au petit coin? Ma puce. Mais qu'est-ce que... D'où sort mon fric? Mais c'est quoi ça? Hey! Le ciel m'est tombé sur la tête! Hey, Seigneur Jésus! Hey, ma mallette! Hey! Hey! Je suis fini! Je suis foutu! On me vole dans mon propre hôtel! On me vole dans mon propre hôtel! Pas dans l'hôtel de quelqu'un, dans mon propre hôtel! Je suis fini! Je suis foutu! Je suis fichu! Hey, les gars! Mais où êtes-vous? Les gars! Les gars! Les gars! Les gars! Idiot! Idiot! Où étiez-vous? Monsieur! Quand cette pute voulait mon fric? Ma mallette! Tout le contenu, mes documents! Où étiez-vous? Mais boss! Vous faisiez quoi? Vous faisiez quoi? Hein? Je vous paye! Pour me protéger! Oui, mais hélas! Mais hélas! Je suis obligé de me protéger tout seul! Mais parlez, je vous paye entièrement. Est-ce que je vous dois? Je vous paye pour que vous restiez en bas pour me protéger. Mais là, je me protège tout seul, les mecs. Je vous paye tous les deux pour me protéger. Hein? Mais que se passe-t-il? Mais où est-elle? Elle a pris tout ce que j'avais, mes documents. Hein? Mes documents importants, sans parler de l'argent. Hein? Ma mallette et tout ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est tout ce que j'ai. Mais où étiez-vous? À cause de ça, je vous virerai tous les deux. Parce que vous êtes inutiles tous les deux. Vous m'êtes absolument inutiles. Je vous paye pour me protéger, les gars. Mais hélas, je me protège tout seul. Rocky, va dans la chambre et prends mon téléphone. Vas-y, prends mon téléphone. Où étais-tu? Où étais-tu? Où étais-tu, Smart? Smart, où étais-tu? Mais bon... Je te paye très bien et j'avais déjà payé son dieu à cette pute, hein? Mais mec, où étais-tu? Où étais-tu? Ah, mais... Mon pote, oui, es-tu avec l'une de ses filles? Je parle des filles qui s'amusaient avec nous, non? Mais oui, je demande si tu avais l'une d'entre elles. Ou bien tu leur contactes, dis-moi comment puis-je les contacter? Écoute, viens ici, je veux te voir, s'il te plaît, viens, hein? Viens, viens, viens maintenant. Je veux te voir, viens. Vous deux là, sortez! Sortez! Sortez, je ne veux plus vous voir. Vous êtes sourds? Bande de cons. Regardez-moi ces deux idiots. Deux idiots que je paye grassement pour rien.
Des idiots, je les paie. Putain, mais qu'est-ce que je vais faire, hein? Merde, mais qu'est-ce que je vais faire? Aïe, je suis foutu, je suis fichu, je suis foutu, carrément foutu. Aïe. Merde, merde. Mon pantalon, Seigneur, mon argent. Hey, hey. Ah. Comment vais-je rentrer à la maison? Oh, que vais-je dire à ma femme? Hey, hey. Cette fille m'a tué. Mon argent, hey. Hey. Alors, nous ne devons plus avoir peur des garçons d'Omo. Ce sont les filles d'Omo qui volent maintenant. Elles volent. Hey, cette fille m'a tué. Comment vais-je rentrer à la maison? Que vais-je dire à ma famille? Comment vais-je rentrer à la maison ici? Hey! 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 Elle m'a tué. Hey! Oh, Chifo! Les gens vont se moquer de moi. Hey! Je suis ancien d'église. Hey, toute ma dignité, oh, hey! Comment vais-je rentrer à la maison? Je suis fichu. Hey! Cette fille m'a tué, oh, hey! Mike, ne me dis pas que tu pleures à cause de cette meuf. Hein? À cause d'une fille qui ne te porte même pas à cœur. Tu ne peux pas comprendre. Comprendre quoi? Il n'y a rien à comprendre là, Mike. Il n'y a rien à comprendre là. Tu pleures pour une petite fille, une petite pisseuse? Tu es la cause de tout ça. Je t'ai prévenu plusieurs fois. Arrête de courir derrière ces filles collantes, toutes ces filles à deux œufs spaghetti. Claque-les! Hein? Regarde-toi maintenant. Regarde-toi. Un jeune homme comme toi, fort, travailleur, beau. Jette un coup d'œil sur ton appartement. Tu sais, parfois je t'envie, je n'ai même pas de maison à moi. Hein? Tu connais ma vie. Regarde-moi. Tu vois comme je sais m'habiller. Pourtant, je n'ai rien du tout. Mais imagine le genre de filles classe avec lesquelles je sors. Pas parce que j'ai du fric, ni même des fringues de marque. Le secret, c'est comment je me présente aux gens. Ma contenance, mon charisme. Tu comprends?
Ça fait de moi un homme. Tu vois? Donc c'est ce que je veux que tu fasses. Tout ira bien. Laisse cette fille, c'est mieux qu'elle rampe avec toi. Maintenant que tu sors avec elle, au lieu d'attendre le jour où tu fuiras ton mariage. Hein? Une relation rompue est préférable qu'un mariage détruit. Ne l'as-tu jamais entendu? Arrête de pleurer si tu veux avoir une autre fille. Je sais que tu n'es pas du genre courageux. Je vais t'aider à parler aux meufs. Il y a des filles partout. Tout ce que tu as à faire, c'est de rester calme. Crois mes paroles, je te dirai comment faire ça. Point, tu auras des meufs plus belles, plus riches. Des filles classe en plus. Si j'avais un appartement comme le tien, mon frère oublie ça. Je n'ai pas, mais tout finira par s'arranger. Hein? T'en fais pas, tout va s'arranger. Donc oublie cette manipulatrice. Elle n'en vaut pas la peine. Tu ne peux pas une fille qui ne sait même pas laver ses slips, tu pleures pour elle. Allez, arrête ça. Je l'aime. Que le tonnerre te frappe, tu sais quoi de l'amour? C'est la rue ici, mec. La rue, c'est la jungle. Viens pas mourir ici à cause d'une connasse. Une fillette qui ne sait même pas laver ses slips, tu es là, je l'aime. Que sais-tu de l'amour? C'est pour ça que ta barbe pousse en désordre. Regarde comment ta barbe est censée être. Regarde, tu vois? Mais la tienne est comment? Elle pousse en désordre. Bientôt, elle sera tellement longue que tu seras obligé de l'enrouler comme ça. Ah, papa, que s'est-il passé? D'où sors-tu à moitié nu? Où sont tes habits? Papa! Hey! 1, 2, 3, 4, 5. Je suis riche. Je suis tellement contente d'être une femme, hein? Une femme est un enfant. Une femme est un enfant. Dans ma prochaine vie, je serai une femme. Dans ma prochaine arrière-vie, je serai une femme. Et je vais accoucher des filles pour qu'elles travaillent l'argent pour moi. Mama est... Mama, oh! Ta fille est rentrée, la pêche fut bonne. Je suis pleine aux as. D'où est-ce que tu sors? Et où as-tu dormi la nuit dernière? Ah, maman sourit un peu, non? Hein? Tu es censé sourire quand tu vois ta fille compter ce genre de somme. Réponds à mes questions au lieu de raconter des bêtises! Alors, pourquoi tu me poses ce genre de questions? Quand tu connais déjà la réponse. Ok, tu veux l'entendre de ma bouche? Tu veux l'entendre de la bouche de Rebecca? Ok, Rebecca va parler. Maman, ok. Rebecca allait faire de l'argent. Je suis allée au travail et je suis rentrée avec de l'argent. Prends, achète un sac de riz. C'est assez pour acheter un sac de riz. Les choses de la maison. N'as-tu pas honte de toi? Écoute ce que tu racontes. Ah. Rebecca. Hein? Où est-ce que j'ai échoué ton éducation? Hein? Comment? Écoute, change de vie, oh! Je te le redis, change de vie avant qu'il ne soit trop tard. Saint-Esprit feu. Tu vas récolter ce que tu sèmes. Je rejette ça. Tu vas regretter ce que tu sèmes, oh. Saint-Esprit feu. Mes mains sont propres. Feu, consume-les. Holy Ghost, feu, consume-les. Maman, au lieu que tu sois fière pour ta fille, que ta fille est une grande influenceuse de ce village. Je bosse dur.
Je sors et je gagne de l'argent. Je n'attends rien de personne. Les filles de ce village sont des mendiantes pro. Elles ont des copains par-ci par-là. Elles ne comptent que sur eux. Alors ta fille bosse dur et je vais réussir dans la vie. Pousse-toi, je veux passer. Maman, il y a à manger? Je vais te gifler. Passe là-bas. Maman, qu'est-ce qu'il y a, non? Je te balade partout dans le village et je dois cuisiner pour toi. Est-ce que tu n'as pas honte? Hey! Seigneur. Quel est le problème? Loki. Que se passe-t-il? Cette fille m'a fini. Cette fille a volé tout mon fric. Cette fille a volé mon argent. Oui, cette fille, elle a volé mon argent et tous mes documents importants. Quelle fille? Cette fille-là, oui, Jessica, celle que j'aspergeais de billets. La fille qui avait le joli courbe là. Celle qui était en bleu? Oui, effectivement. Elle a tout volé, tous mes documents. Mon passeport, tout ce qui était dans la mallette. C'est le nouveau modèle que ces filles ont trouvé maintenant? Loki, s'il te plaît, aide-moi. Je ne sais pas quoi du tout faire. Loki, je ne suis plus moi-même. Cette fille-là, elle m'a drogué. Oui, quand je me suis réveillé, je ne l'ai plus trouvée. Elle a tout pris. En fait, tous mes conteneurs qui sont haute mer, hein, je ne sais même pas comment les dédouaner. Le connaissez-moi, tout est à c'est l'intérieur. Bon, c'est bon, je comprends. Calme-toi, ok? Écoute, cette ville est très petite. On va la retrouver même dans les boîtes. Elle finira par revenir, même dans les boîtes. Lucky, trouve un moyen de la retrouver. T'inquiète. Écoute-moi, partout où tu la verras, ou bien ses amis, hein, dis-lui, propage la nouvelle. Calme-toi. Attends, propage la nouvelle. S'il te plaît, dis-lui que je ne suis plus intéressé par l'argent. Tout ce que je veux, ce sont mes documents. C'est d'accord. S'il te plaît, tout ce que je veux, c'est mon connaissement. J'ai réunion avec le président de la banque de Jakarta. Il y a tout à l'intérieur. Tu sais que j'ai le visa Schengen. Hein? Je peux aller dans 28 pays. Je le sais. J'ai le visa Schengen qui n'est même pas encore expiré. Je connais toutes tes priorités. Dis ça à cette fille. Essaye. Elle ne peut même pas utiliser mes documents. Je comprends. Essaye de te calmer. Il y a même mes photos dessus. Écoute. Il y a mes photos dessus. Je te comprends. Ce sont tes photos. Je comprends. Calme-toi, d'accord. Calme-toi. Je te parle. Écoute, mec. Calme-toi, d'accord. Allô? Oui, monsieur Loki, comment allez-vous? Quoi? Ah, monsieur Loki, attends. S'il vous plaît, vous devez m'écouter. Non! Écoutez, monsieur Loki. Je ne suis pas du tout au courant. Je ne suis pas au courant, monsieur Loki. Je ne suis non plus d'accord avec ces actions. Monsieur Loki, vous devez me croire. Quoi? Écoutez, monsieur Loki. Hey! Chimo! Cette fille m'a fini. Chief n'est pas un homme avec lequel on blague. Où est-elle, mon Dieu? Son numéro ne passe pas. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Hey! Je suis finie. Chief va me tuer dans cette ville. Qu'est-ce que je t'ai fait, Jessica? Jessica, tu m'as tué. Regarde ce dans quoi je me suis fourrée. Jessica, gâtez mon marché. Becky! Mon Dieu, où sont ces filles? Becky! Maman, quel est le problème? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Les filles, il y a un problème. Écoutez, la seule chose que je vais vous dire maintenant, c'est que je ne veux en aucun cas qu'une seule d'entre vous mette ses pieds dans la maison de Chief, s'il vous plaît. Maman, qu'est-ce que c'est? J'espère que vous comprenez. Mais vous avez compris ce que j'ai dit? Vous avez compris? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. N'allez plus dans la maison de Chief. Parce que si cet homme vous arrête là-bas, je ne viendrai pas. Arrêtez. Vous n'allez pas me voir. Je ne peux pas. Les filles, c'est Maman, foutu. C'est vraiment foutu. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Maman, calme-toi. Il faut que j'aille me changer. On a compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Jessica. Jessica. Qu'est-ce qui... Pardon. Ah. Tu allais nous gâcher le marché chez le Tiff. Tiff, chez qui j'ai eu 200 000 avant de rentrer. Je ne comprends pas l'argent. Non, mais c'est quoi son corps? Hey,
C'est... Je ne comprends pas ce qu'elle raconte. Que personne ne me gâte au Bachir. Moi, je ne suis pas venue au Nigeria dans ce pays pour... Je suis ici pour chercher l'argent. Je suis venue au Nigeria pour travailler de l'argent. Je ne comprends pas. Nawao, moi j'ai déjà fait la liste des choses que je dois acheter ce décembre. C'est que donc je ne sais pas de quoi est-ce qu'elle parle. Je vais aller dans la maison des chiefs et ça c'est décidé. Ah, ne parle pas fort. Tu dis quoi? Je vais... C'est vrai, je vais aller. Mais... Hey, hop. Ce mec est plein aux as. Ce mec est plein aux as. Maman l'a dit et tu dis que le mec est bourré de thunes. Calme-toi. Hey, c'est comme ça que ce pays est. Après tout ce que j'ai planifié, ce que j'allais faire avec mon fric, j'allais me saper c'est comme jamais. C'est Tiff. Pardon, je dois m'acheter un 13 Pro Max. Je vous dis d'abord. Tais-toi. J'ai juste dit que je vais acheter mon iPhone 13 Pro Max. Ma puce. Je vais acheter une caisse. Non? Attends, on va aller parler à Baba. Je vais te dire un truc si elle revient. Ah, qui est-ce? Jessica. Salut, ma chérie. Quel vent t'amène? Jessica, pourquoi tu gardes mon nom et mon business? Je te demande pardon. Pourquoi as-tu volé Monsieur Oudon? Ah. Je l'ai volé parce que c'est ce qu'on fait. Comment as-tu pu? Je te les ai présentés. Cet homme t'aurait donné n'importe quelle somme d'argent que tu voulais. Mon Dieu, tu n'avais pas besoin de le voler, Jessica. Attends une minute. Est-ce la jalousie que je sens dans l'air? Je suis là à te parler d'un truc tellement important et toi, tu me parles de jalousie? Si tu n'es pas jalouse, alors quel est ton putain de problème? Tu débarques chez moi comme un putain de bulldog et te crées comme une putain de lunatique. T'es cinglé ou quoi? C'est pour ça que tu perds la boule. N'est-ce pas ce qu'on fait? Voler ces hommes, plumer complètement ces mecs? N'est-ce pas le travail qu'on a l'habitude de faire? Ça va bien là-dedans? Oh, Jessica. Jessica, j'ai une grande envie de t'étrangler à mort. Oh, tes sales pattes de mon cou. Jessica, tu ne sais pas la gravité de ce que tu as fait. Alors dis-moi en plus. Bien. Odo a dit que tu pouvais garder l'argent. Mais tu dois remettre tous ces documents avec effet immédiat. Les quoi? Remettre quoi? Ça, c'est très drôle par contre. Qu'est-ce qu'une pute a à faire avec tes documents? Eh oh, tout ce qui m'intéresse, c'est le pognon. J'ai pris l'argent et j'ai jeté les documents. De la même façon que je veux que tu portes ton sale corps et que tu dégages de ma concession. Dégage d'ici tout de suite. Jessica. Oui? Tu auras de mes nouvelles. Je t'attendrai, nounours. Attends toujours. Vous allez voler, hein? Il aurait pu te donner ce que tu veux. Petite pute, sale chienne. Espèce de jalouse de merde. Ah boy, pourquoi tu as l'air si content comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu as gagné le jackpot. Alors mec, dis-moi. Regarde le fric. Ah boy, regarde, tu vois de l'argent. Regarde l'oseille. C'est de l'argent. Le fric. Mais où tu as eu cet argent? Regarde le fric. Regarde l'argent. C'est mon oseille. Donne-moi mon fric. Ton oseille? Mais, Aboy, il faut savoir que le VIH existe. Autant tu d'argent, dis, Mike, écoute, ma sugar mommy m'a dit qu'elle veut que je lui fasse de la lèche avant qu'elle me donne ce genre d'argent. Donc si je fais de la lèche et qu'après j'ai le VIH pour enfin avoir ce genre d'oseille, je m'en fiche. Au lieu que je vienne ici pencher ma tête comme un cafard, ou un poulet qui a froid, à dire « je l'aime », par peur du VIH. Mon ami, tu n'es pas sage, élève le niveau pour entrer dans ma ligue. Si tu veux que je t'emmène avec moi, regarde, allez, ça. Allez, donne-moi ça. Mec, c'est mon mais attends. Hey, si tu voles mon fric, je te tue. Ouais, je vais te tuer. Hey, enlève tes mains dessus. Mon fric a le VIH, idiot.
Mais partage avec moi. Partager avec toi. Je suis ton pote. Ah, t'es mon pote, hein. Et tu me promets le VIH, je partage avec toi. Non, mais tu restes. Oublie ça, je plaisante seulement, mec. S'il te plaît. Écoute, tu dois mûrir. Tu comprends, il faut sortir. Fringue-toi bien et ensuite, entre dans la ligue des mecs riches et tu décaisseras. Hein? L'oseille. C'est vraiment beaucoup d'argent. Le fric. Hé, blémé. Éblémé. Rebecca. Éblémé. Assieds-toi comme une femme. Éblémé. Maman, je dois m'asseoir comme ça, je reçois de l'air frais comme ça. J'ai trop travaillé hier. Arrête d'être aussi grossière. Hey. Maman, le make-up me rend très belle. Je dois être la plus belle pour mon boulot. Non, Rebecca. Non, Rebecca. Non, Rebecca. Qu'est-ce qu'elle a encore fait cette fois-ci? Hey! Bon après-midi, Chief. Où est ta fille? Pourquoi cherches-tu ma fille? Pourquoi la cherches-tu? Où est ta fille? Où est-elle? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne suis pas là pour répondre à tes questions. Je ne suis pas là pour une interview. Où est ta stupide et criminelle de fille? Prie. Où est-elle? Elle m'a volé! Elle... Est-ce que tu as compris? Elle t'a volé? Hey! Ah ah! Tu n'es que mais... La voilà! Qui t'a volé? La voilà! Hein? Espèce de sorcière! Oui, où est mon argent? Où est mon argent? Où est mon argent? Maman, lâche-moi, laisse-moi tranquille, lâche-moi. Maman, as-tu une autre fille dans cette maison que je ne connais pas? Bam! Hein? Alors, de qui est-ce que ce vieux crouton parle là? Qui est criminel? Toi! Tu parles de qui là? Toi, tu es une criminelle! Qu'est-ce qu'elle t'a volé? Bonne question, demande-lui. Oga, qu'est-ce que j'ai bien pu te voler? Mais réponds. Tu dis que je t'ai volé quelque chose, n'est-ce pas? Ouais. Que je t'ai volé un truc. Ouais. Alors qu'est-ce que j'ai volé? Parle, non? Es-tu devenu sourd ou okay. Es-tu devenu muet? Maman, maintenant je m'en souviens. Ah, Mazio Keke, maintenant je m'en souviens. Pardon. Je n'aime pas les allégations. S'il y a quelque chose que je hais, je déteste les allégations dans ma vie. Mazio Keke, pardon, je veux que tu expliques à ma mère tout ce qui s'est passé entre toi et moi. Tout ce qui s'est passé entre toi et moi, s'il te plaît. Explique ça à ma mère. Pourquoi est-ce que tu trembles? Parle! Bah, il ne va pas répondre. Juste des allégations. Ok, maman, laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. Je vais tout te raconter, hein? Maman! Tu sais que Mazio Keke... Laisse ma fille. Non, tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas mentir à mon sujet. Je suis un chef. Je suis un chef. Tu ne peux pas oser mentir sur moi alors que je suis encore en vie. Tu ne peux pas le faire. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas mentir. Viens parler. Viens parler, vieux salaud. Viens parler, espèce d'idiot. Viens parler, espèce de vieux sorcier infidèle. Tu mens sur quelqu'un qui est encore en vie. En plus contre un chef. Non, reviens, espèce de vieux babouin. Écoute-moi bien. Si tu n'es pas rusé, hein, la vie va t'enseigner. Si tu n'es pas rusé dans ce village, maman, je suis une fille futée. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est un vieux fou, un gros infidèle, un homme qui ne sait pas rester chez lui. Pardon, je peux avoir mon maquillage? Je peux avoir mon maquillage? Ah. N'importe quoi. Ce n'est qu'un vieux fou. Ne t'en fais pas. Imbécile. Et il un jour, la police viendra ici pour t'arrêter. Pas de problème. Je vais juste m'asseoir là et me détendre. Je ne vais pas me lever pour te suivre. Je vais coucher avec eux. Je vais coucher avec tous ces hommes. En fait, je vais coucher avec le commissaire. Je vais coucher avec l'inspecteur. Je vais coucher avec tout le monde, même avec le gardien là-bas. Je vais coucher. Je vais coucher avec eux. Ne m'appelle pas quand ce jour viendra. Je vais coucher avec eux. Je vais coucher avec le commissaire. Je vais coucher avec tous les inspecteurs de là-bas. Même avec le gardien, aujourd'hui, je vais coucher. Un problème. Demain, un autre problème. Maman, c'est ma vie. Je fais mon business. Et ça, ce sont mes affaires. Point final. Tu ne peux pas me tuer. Tu me comprends? Tu ne peux pas me tuer. Tu ne peux pas me tuer dans ma propre maison. Tu ne pourras pas le faire. Thank you.
Jacobé. À l'intérieur. Pardon? Donc tu ne sais pas comment saluer? Tu ne sais pas comment saluer? Tu ne sais pas comment saluer la super boss lady de ce village? Hein? La seule grande influenceuse de ce village, tu ne sais pas comment saluer? Hein? La seule fille riche de ce village? En tout cas, je n'ai même pas ton temps. Je n'ai pas ton temps. Ça, c'est une affaire d'un autre jour. On verra ça plus tard. Pardon, je veux voir ton père. Demande-lui de sortir. Il n'est pas là. Tu es sûre? Mon père vient de sortir. Ton père n'est pas là. Et ta mère est où? Elle n'est pas là. Ton père et ta mère ne sont pas à la maison? Ils sont sortis. D'accord. Je vais laisser un message. Écoute, quand ton papa va rentrer, dis-lui que Rebecca était là. Ok? Que j'ai un message très, très important pour lui. Ok. Et dis également à ta mère que je veux la voir. Que je veux la voir, elle et ton père. Oui, okay. On a un truc important dont on doit parler. N'oublie pas de leur dire. Pourquoi Monsieur Locke m'appelle? Si je ne décroche pas ce téléphone, il va dire que je l'insulte. Allô? Allô, Monsieur Locke? Est-ce que c'est moi qui vous ai volé? Ce n'est pas moi qui vous ai volé. Pourquoi vous m'appelez? Pourquoi vous me harcelez comme ça? Qu'est-ce que je vous ai fait? Hein? Je ne connais pas cette fille, c'est ce jour que je l'ai rencontrée. Je ne connais pas cette fille, appelez-la directement. C'est moi qui ai couché avec Chief. Je n'ai pas couché avec Odo. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, écoutez, vous savez quoi? Si vous voulez faire quoi que ce soit, allez au poste de police et portez plainte. Hein? Pourquoi vous m'appelez? Pourquoi vous me harcelez de la sorte? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui ai volé votre argent. Je n'ai même pas mangé cet argent. Hein? C'est moi qui ai volé l'argent de Chief? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? D'accord. Vous savez quoi? Je vais vous laisser dans cette ville. Sérieusement, je vais vous laisser dans cette ville. Tout de suite, je vais quitter cette ville. C'est quoi? Je veux respirer. Vous voulez que je meure? J'ai pas mangé cet argent. Vous m'accusez de l'avoir volé. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Oh gars, pardon!
Où est-ce que j'ai déposé mon sac? Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas me calmer. Tête va exploser, je ne peux pas me calmer. Voyons, bébé. C'est dur de rester calme. Je sais, mais je peux t'assurer qu'il ne t'arrivera rien. Quoi? Il ne t'arrivera rien. Putain, tu blagues? Il ne m'arrivera rien? Non, bébé. Est-ce que tu t'entends me parler? Sais-tu ce que ça fait d'être à ma place maintenant? Udo et ses hommes me cherchent dans toute la ville comme une putain de criminel. C'est comme si je suis en extension. Comme si j'étais en exil. Comme si j'avais été banni de la terre des humains. Je ne peux aller nulle part, ni en boîte de nuit, même pas dans un bar. J'ai peur que ma santé mentale s'affecte. Bébé, voyons, crois-moi, je sais ce que tu ressens. Je te jure, je sais ce que tu ressens, ok? Mais le plus important, c'est que je suis ici avec toi. Il ne t'arrivera rien. Crois-moi, il ne t'arrivera rien. Ok? Écoute, tout ira bien. Merci Dieu. Merci mon Dieu. Dieu merci, ils ne savent pas où je réside. Parce que s'ils savaient que je vis ici, toute cette discussion porterait sur autre chose. Oui, tu as raison bébé, mais je suis là pour toi, tu es en sécurité. Je te protège, ok? Déjà, c'est important qu'ils ne savent pas où tu vis, ok? Tu es en sécurité, je t'aime et je suis là pour... te protéger, il ne t'arrivera rien. Je te le promets, hein? Partons d'ici. Partons dans un autre pays. J'ai du fric, j'ai de l'argent pour nous amener dans le pays de notre choix. C'est ce qu'on doit faire. Il faut qu'on parte. Il faut qu'on quitte le pays. Parler? Qu'on s'en aille. Qu'on quitte ce pays. Bébé, je te le dis depuis, tu ne comprends pas. Personne ne te retrouvera. Personne ne connaît ici. T'es couverte, t'es protégée. Personne ne connaît ici. Ça va aller, ok? Voyons. Arrête ça. Maman, comment tu vas? Je vais bien. Maman, tu es sûre que ça va? Hey, attends. Maman. Ma fille, c'est toi. Je ne t'ai pas reconnue. Merci. Merci d'être venue. Au moins, tu peux m'aider à me lever d'ici. D'accord. D'accord, maman. Désolée. Eh oh. Lovette. Maman. Tu demandes comment je vais. Tu as la réponse sous tes yeux. Tu demandes comment je vais. Comment va ton amie? Elle me manque tellement, je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Maman, Jessica, ta fille, se porte bien. Elle va bien. Est-ce qu'elle a oublié qu'elle a une mère dans ce village? Même pas un appel pour vérifier et demander si je suis encore en vie.
Est-ce que c'est bien ça? Maman, s'il te plaît, pardonne-lui. Les choses n'ont vraiment pas été faciles pour nous en ville. Surtout Jessica, elle n'a même pas de téléphone. Écoute, maman, la vie en ville n'est pas du tout facile. Surtout pour des jeunes filles qui ne veulent pas vendre leur dignité pour de l'argent. Amasiqua, s'il te plaît. Oui. J'en étais sûre, car je savais que Jessica, ma fille, ne pouvait pas m'oublier comme ça. Maman, ça va aller. Ça va aller. S'il te plaît, aide-moi. Donne-moi cette chaise, je veux m'asseoir. D'accord. Tu peux t'asseoir, je vais m'asseoir ici, ok? Ok. Mm-hmm. Tu peux marcher. Maman, écoute, je vais essayer. Je vais essayer de parler à Jessica. Je vais lui dire de t'appeler le plus tôt possible, d'accord? Fais-le. Je me meurs ici. Je suis mourante. Je n'ai rien à manger. Je n'ai aucune raison de vivre. Maman, pas même s'il un te enfant. Plaît, juste, prends ceci. De l'argent. Lovette. Utilise ça pour prendre soin de toi. Lovette, autant d'argent. Que Dieu te bénisse, ma fille. Lovette, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon enfant. C'est bon, maman. Mon Dieu te bénira. Amen. Tu auras bientôt les nouvelles de Jessica. S'il te plaît. D'accord. Allô, mon commissaire. Oui. Vous parlez à Odo. Moi, Dédé Djegedo 1, Ndan Ladje. Permettez-moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Où en êtes-vous avec l'enquête? Au sujet des filles que je vous ai demandé de piéger. Mon commissaire, dites-moi le montant que vous voulez, hein? Dites-le-moi. Et je vous le donnerai. Exactement. C'est comme si vous ne connaissez pas la personne à qui vous parlez. Mon commissaire, ce n'est pas une tentative d'intimidation. Ce que je veux dire, c'est que, mon commissaire, vous ne savez pas à qu'est-ce que vous parlez. Moi, Denle Dikedo, un Dan Ladi. Tout à fait. Oso Pelitego de Thaïlande. Ntiwa Kembo de Chine. Mon commissaire, je suis un homme plein aux as. Oui, je suis à la hauteur de la tâche. J'ai plusieurs hôtels dans 6 états du Nigeria. Mon commissaire, j'ai dit que j'ai des hôtels dans 6 états au Nigeria. Je veux que vous piégiez cette fille pour moi. Hein? Ce que je suis en train de dire, c'est que je veux mes documents. Mon commissaire, elle peut même partir avec l'argent. Je ne suis plus intéressé par cet argent. Exactement. Ce que je veux, ce sont mes documents, mon commissaire. Cette fille m'a handicapé. Je ne peux même plus voyager. Tous mes documents, mon commissaire. Vous savez que je ne suis pas un homme du digital. Je suis un homme de l'ancienne époque. Tout ce que je fais, j'utilise des documents. Je ne veux rien avoir avec l'informatique. Tous mes documents, mes connaissements, mes conteneurs qui sont en haute mer. Les factures de marchandises sont dans cette mallette. Comment vais-je faire sans ça? Cette fille m'a handicapé. Mon passeport qu'elle détient, elle ne peut même pas voyager avec ça. Elle ne peut pas l'utiliser. C'est vrai. Ces documents-là, elle ne peut même pas les utiliser. Ils sont à moi. Ils portent tous mon nom. Et ils ont mes photos. Mais oui. Ah. Mon commissaire, tout ce que je vous demande, c'est de traquer cette fille. Exactement. Dès que vous attrapez cette fille, vous pouvez prendre l'argent et me ramener mes documents. Ça me va. Oui. Mon commissaire, s'il vous plaît, faites de votre mieux, hein? Je vous en supplie. Tout à fait, insistez. L'argent dont vous parlez n'est pas un problème, mon commissaire. Ouais, c'est... Dites la somme que vous voulez et directement, elle sera à vous, hein? Mon commissaire, envoyez-moi votre numéro de compte. Je vous fais un virement dans votre compte et puis c'est tout. Oui, je veux vous motiver. Je dois vous motiver, bien sûr. C'est ce qu'il faut faire. Je dois vous motiver. Oui, vous m'avez parlé de motivation. Je vais vous motiver. D'accord. Faites quelque chose par rapport à ça, s'il vous plaît. Je suis handicapé et je ne peux même pas bouger d'un poil. La seule différence entre un handicapé et moi, c'est que je ne suis pas sur une chaise roulante. Mais je suis pareil qu'une personne en fauteuil roulant.
Je ne peux même plus voyager. Elle a pris mon passeport. Et tous mes visas Schengen. J'ai des visas Schengen. Je peux aller dans plus de 150 pays dans le monde. J'ai leur visa dans ma mallette. Comment je fais maintenant? Je ne sais pas. Sans problème, je vous crois sur parole. Envoyez-moi votre numéro de compte. Comme ça, je pourrais vous motiver. D'accord. Je vais vous rappeler dans 2 jours pour savoir où est-ce que vous en êtes. Exactement. C'est super. C'est super. Ah, maintenant vous parlez comme un commissaire. Avant, vous parlez comme un ésémo de mon village. Mon commissaire, oui. Traquez-la pour moi. Dans 2 jours, je vous rappelle. C'est super. C'est bien. C'est super. D'accord. Bye. Ça, c'est vraiment incroyable. Cette meuf aurait juste dû demander du pognon. Au lieu de te causer tout ce stress. Ça me dépasse. Elle aurait dû demander de l'argent. Je suis dépassé, on sait que frère. Tu es charitable. Tu es même prêt à laisser tomber l'argent. Du moment où elle te remet tous tes documents. Quel argent? Mais et en plus, quel sort? Combien d'hommes avons-nous qui peuvent faire des œuvres charitables comme tu le fais? Je suis immensément riche. Même dans un exemple, je ne peux plus jamais être pauvre. Je le sais très bien. Mais cette meuf... Obi Ageliako! Obi! Où est-elle passée? Sa mère n'est pas encore là. Elle n'est pas encore rentrée. Ah, papa. Papa, tu es rentré. Je suis déjà rentré. C'est juste que... J'étais à la réunion du Conseil des Anciens. Ok. Le Conseil des Anciens au Palais du Roi. Attends, je vais chercher de l'eau. C'est d'accord. Hey, papa, j'allais oublier. Rebecca était ici aujourd'hui. Elle a dit qu'elle veut te voir. Rebecca? Oui. Ah. Mais j'espère que ta mère n'était pas là lorsqu'elle est venue. Non, elle n'était pas là. Mais elle a dit qu'elle voudrait te voir, maman et toi. Qu'elle a quelque chose d'urgent dont elle voudrait parler à vous deux. Elle veut discuter avec ta mère et moi? Oui. Ah. Oh, ok. Bien. Obi Ageli? Papa. Omanecham. Eh bien, j'aimerais que tu m'accordes une faveur. Ok. S'il te plaît, ne dis surtout pas cela à ta mère, ok? Ne le dis surtout pas à ta mère. Ok, si tu le dis. Mais papa, je voudrais savoir quelque chose. De quoi Rebecca voudrait bien discuter avec maman et toi, qui est aussi urgent et important? Ben, je ne sais pas, je n'ai aucune tu idée. Tu ne sais pas. Papa, tu es sûr de ça? Ok, je vais te chercher de l'eau. Ok. Rebecca, dans cette maison. Hey. Hey. Rebecca, qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi est-ce que tu me tourmentes? Pourquoi tu persécutes ma vie? Hein? Que viens-tu faire chez moi? Je t'en prie, tout ce que tu as vraiment à dire, dis-le ici. Parce que je ne voudrais pas du tout que ma femme vienne te trouver ici. Alors dis-le et va-t'en. Ok, ok. Ok, que ce n'est pas mon problème, oh. Ce n'est pas mon problème, oh. Je suis là pour te dire que je suis enceinte de toi. D'accord. Alors comme ça, tu crois que je peux avoir peur de ce petit chantage? Je ne t'accorderai jamais ce plaisir. Je te ferai jamais ce plaisir. Tu es enceinte de moi. Ce n'est pas possible. Chef, le chantage? Et tu ouvres ta bouche pour crier? Tu oses me crier dessus? Hein? Ok, pas de problème. Comme tu as une bouche pour crier, hein? J'attends que ta femme rentre pour qu'on discute de cette affaire. Pardon, tu sais que je ne crie pas, tu me connais très bien. Tu connais ma voix. Tu sais, parfois ma voix monte et parfois elle descend. Mais comment peux-tu dire que ce petit truc que nous avons fait la dernière fois, où juste le bout est entré, comment peux-tu être enceinte de moi? Attends, gars, tu me traites de stupide ou quoi? Tu veux me dire que je suis une fille confuse?
Je ne sais pas si je suis enceinte ou quoi. Hein? Rebe, je t'en prie, je t'en prie. C'est ce que je dis. Je t'en prie, Rebe, tu sais très bien que je suis un homme titré. Je suis un chef, hein? Tu sais ce que ça veut dire. Et si mon nom est traîné dans la boue, alors je vais te perdre mon autorité, ma dignité. Allez, je t'en prie. Alors, je t'en supplie. Je me mets à genoux pour toi. S'il te plaît, je t'en prie. Je t'en prie. Aide-moi, je t'en prie. Alors tu dis que je dois avorter ton bébé? Si quelque chose arrive, sache que le problème sera sur ta tête. Hey, pardon, je t'en supplie. Le problème sera sur ta tête. Que ce soit sur ma tête. Que ce soit sur ma tête. Oui. Pas de problème. Fais tout ton possible, je t'en prie. Alors aide-moi. Donne-moi l'argent pour l'avortement. Ok, je vais te le donner. Je vais te donner. Vas-y, demain je viendrai te le donner. Non. Je te le donnerai demain. Non. Je vais crier. Donne-moi l'argent. Je t'en prie, non. Je te le donnerai demain, je t'en prie. Je t'ai dit de me donner ça maintenant. Je veux ça aujourd'hui, au pas demain. Vas-y, je te le donnerai demain. Allez, je t'en prie. Quel demain? Tu vas me donner ça aujourd'hui? Je vais te le donner. J'ai dit aujourd'hui. Je vais te le donner demain. Ok. Allez, si, vas-y. Si je ne te vois pas, je viendrai toquer à ta porte. Je t'en prie. Je viendrai toquer à ta porte. Je te le donnerai demain. Hey. Obio. Hey. S'il te plaît, viens un peu voir ça. Hey, quelle belle orange. Elle mûrissent vraiment très bien. Hey, hein, tu as vu ça? Elle mûrissent déjà. Hey! Rebecca. Mais à qui est cette sale bouche qui hurle mon nom? Alors, c'est toi? C'est moi. Tu ne connais pas le respect? Rebecca, je veux savoir quelle affaire tu traites avec mon père. Ah, vraiment? Tu veux savoir quelles affaires je traite avec ton père? Oui. Hey! Bam! Tu n'as pas peur, hein? Une petite fille comme toi, tu n'as pas peur? Tu es culottée, toi. Obiageli, depuis quand es-tu devenue le manager de ton père? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Rebecca, tout le monde dans ce village te connaît et ton mot de vie. Tout le monde dans ce village sait comment tu te pavanes partout à coucher avec des hommes. Tout type d'hommes, des mariés, des célibataires, tout ça pour de l'argent. Quelle affaire traites-tu avec mon père, Rebecca? Qu'est-ce que je traite? Ton père est mon contrat. Hein? Ton père est mon affaire. Il est mon investissement. Ma banque mondiale. Dieu merci, tu as dit que c'est mon mode de vie. Que tout le monde dans ce village me connaît avec ce mode de vie. Et qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? On te baise, pion, 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 pion. Écoute, tu as baisé avec mon père avant sa mort, quand tu avais 14 ans. Tu as couché avec Okeke. Tu as couché avec Okoye. Tu as même couché avec le chef de la chorale. Le pire de tout ça, c'est notre prêtre. Hein? Une petite fille comme toi, tu couches avec un homme de Dieu. Tu vas brûler en enfer. Et tu es ici à me questionner, Obiageli. Une fille qui a le bonbon en bas. Écoute, je suis sucrée. Quand tu me regardes, je suis sucrée. Je tiens ton père ici. Je tiens ton père partout, ok? Toi, tu es amère. C'est pourquoi tu es jalouse. Rends-toi sucrée. Rebecca, je ne suis pas ici pour changer des mots avec toi. Pas besoin de me comparer à toi. Ce que je vais te dire est le tout premier et dernier avertissement. C'est vrai, Rebecca, ça? Rebecca, reste loin de mon père. J'espère que tu comprends. Et tu sais combien ma mère peut être cinglée et sauvage. Vraiment? Ne me pousse pas à lui raconter ta liaison avec mon père. Non. Je tremble de peur. Rebecca! Je tremble à cause de ta mère. Tremble à cause de ta mère. Imbécile, prépare-toi. Très bientôt, Rebecca sera ta belle-mère. Ah, c'est mon poids. Tu vas m'appeler maman. Parce que je tiens ton père ici. Cela n'arrivera pas. Je le tiens ici. Il est à moi. Rebecca, ça n'arrivera jamais. Il est à moi. Je suis sucrée en bas. Rebecca, ça n'arrivera pas. C'est le vrai bonbon en bas. Ça n'arrivera pas. Va dire à ton père de me laisser tranquille. Laisse mon père tranquille, Rebecca. Dis à ton père de me laisser tranquille. Je t'avertis encore, Rebecca. Dis à ton père de me laisser tranquille. Laisse mon père tranquille. Je mange son argent. Ma petite, écoute-moi bien, je vais ruiner ton père. Il n'aura plus rien. Rebecca!
va voir. Arrête, mon ami, arrête! Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que ça arrive? Quel... Je vais éprouver, je suis accouché avec tous les hommes. Pas n'importe quel homme, le vieillard du village. Et le pire dans tout ça, c'est que tu couches avec mon père malade. Allez, Shima. Je ne sais pas pourquoi ça te dérange. Je vis ma vie comme je veux. Je suis une adulte. Tu mens. Ok? Écoute, si je veux coucher avec tous les hommes de ce monde, je peux faire ça. C'est ma vie, c'est mon choix. Écoute, pardon, je t'en supplie pour l'amour de Dieu. Laisse Rebecca jouir de sa vie. Je croque la vie, je vis ma vie. Tu croques la vie? Mm-hmm. Tu dis que briser mon cœur, c'est croquer la vie? Rebecca, j'ai le cœur brisé. Tu me brises le cœur. Et le pire dans tout ça, c'est que je n'arrive pas à cesser de t'aimer. Te voilà qui recommence. Je ne veux pas entendre cette phrase. Écoute, cette chose que tu viens de dire là, je n'aime pas ça du tout. Je t'ai dit pardon, Rebecca, ne tombe pas amoureuse. Je ne veux pas aimer qui que ce soit. Je suis de la rue. Je t'avertis, oh. Shima, je t'avertis. Si tu tombes amoureux de moi, c'est à ton détriment. Oui. C'est la chose la plus injuste que tu puisses me dire. Tu sais, ça c'est la chose la plus cruelle que tu me dis. Vraiment? J'espère que tu puisses changer. J'espère vraiment que tu puisses changer parce que je veux que nous soyons ensemble. Toi et moi, travailler en équipe, je vois que tu es très confus. Écoute-moi bien, la seule raison pour laquelle je suis encore ici avec toi, c'est pour les petites miettes que tu me donnes parfois et je prends. Si tu n'avais rien du tout, je te jure. Rebecca, non, écoute, je t'aime. Et je suis prêt à te donner tout ce que tu veux. Je suis prêt à tout pour toi. Je t'aime. Je sais qu'il y a aussi une partie de toi qui m'aime. Ouvre-toi et tu verras, s'il te plaît. Bien sûr. Il y a une partie de moi qui t'aime. Tu sais que c'est vrai. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime. Je t'aime. Et je veux cet amour de toi. Je t'aime. Je suis prêt à faire n'importe quoi. Je suis prêt à m'occuper de toi. Je t'aime. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Et je t'aime. Oh mon Dieu, bébé, je t'aime. T'en fais pas, je ne coucherai plus avec ton père malade. Le vieux n'est même pas fort. Ouais, je ne coucherai plus avec ton père, juste avec toi. Si tu me donnes ça, viens, je vais te montrer quelque chose à l'intérieur. C'est un fou. Maman, si laisse-moi. Si j'ose encore te revoir ici. Je vais te pousser, oh. Je vais te pousser. Et toi? Ne dis pas que je t'ai poussé, oh. Ne dis pas que je t'ai poussé. Je ne t'ai pas poussé. Ne dis pas que je t'ai poussé. Je ne t'ai pas poussé. Seigneur. Hey. Je ne t'ai pas poussé. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça, mon Dieu? Hey. Maman, c'est quoi ton problème? Pourquoi?
Pourquoi me fais-tu toujours ça? Hein? Regarde comment deux adultes prennent leurs pieds et tu es venu nous interrompre. Hein? Es-tu l'ennemi du progrès? Et c'est quoi ton problème? Quand j'étais sur le point de jure, tu as tout gâté. J'allais jure, c'était trop bon, excitant. Idiote, ferme-moi ta bouche. Tu dois être un produit du diable. Tu es normal? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Toi, écoute, maintenant, va à l'intérieur. Prends tes affaires et pars de chez moi, sur le champ. Je prends mes effets pour aller où? Je prends mes effets pour aller où, tu maman? Tu pars d'ici à l'instant. Je reste ici. Je vais mourir ici. Ici, c'est la maison de mon père. Je n'irai nulle part. Maman, si on cherche qui doit partir d'ici, pia, 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 c'est toi qui vas partir, oh. Rentre dans la maison de ton père. Reste là-bas un jour, deux jours, un mois. Même un an, je m'en fous. C'est quoi ça? Hein? Regarde comment je m'amusais et tu m'as interrompu. Hey! N'importe quoi. Hey! N'importe quoi. Seigneur! Seigneur! Maman, pourquoi? Je vais te dire quelque chose. Écoute, laisse Dieu en dehors de ça. Laisse Dieu en dehors de ça, oh! Hein? Laisse-moi te dire un truc. La seule chose qui te perturbe ici, c'est le manque de baiser, oh. Maman, il faut baiser. Si tu baises, tous tes problèmes seront résolus. Je t'assure. Entre-temps, laisse-moi jouir de ma vie. Je suis trop sucrée en bas. Et tout le monde dans ce village sait ça. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, je suis chez moi. Retourne à la maison de ton père. Regarde-moi. Regarde-moi bien. Hey! Je ne peux plus jouir en paix. Qu'est-ce que c'est? Suis-je la seule à avoir une mère dans ce village? Suis-je la seule? Maintenant, à cause de toi, les gens disent que je suis une mauvaise fille. Rebecca est têtue, Rebecca est têtue. Je ne suis pas têtue, oh. Tu es la cause de tout ça. Mauvaise mère. Et tu as transformé la maison de mon mari en hôtel. Oui, c'est un hôtel. C'est un hôtel. Dans la maison de mon père, j'ai ma chambre, j'ai mon lit. Est-ce que je faisais ça sur ton lit? N'importe quoi. C'est quel genre d'enfant? Il faut rentrer chez ton père. Tu es juste possédé, je le sais. Seigneur, aide-moi. Tiens! Mon Dieu, c'en est de trop. J'ai si honte de moi-même, j'ai tellement honte. Hey! Oh! Quoi de neuf? Ma puce, ça fait des minutes que t'es assise là à me regarder. Comme si j'étais à la télévision. Allez, allez. Je veux dire, si t'as quelque chose à me dire, tu ferais mieux de me le dire en face. Du genre... Grrr, Jessica. Qu'est-ce que t'en penses? Jessica. Mm-hmm. Comment va ta mère? Ma quoi? Je parle de ta mère. Non, répète un peu voir, ma quoi? Je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas non plus. Ma mère est censée être une discussion. Oh, pitié. Tu penses que je vais m'asseoir là et t'entendre parler de ça? Tu rêves. Ma quoi? Mozambique, tu n'as pas ta mère. Jessica, nous parlons là de ta maman. Une femme qui t'a porté dans son ventre pendant 9 mois. Oh mon Dieu, c'est elle qui m'a porté dans son ventre pendant 9 mois. Eh bien, je parie que non. Sinon, elle ne m'aurait pas jeté un sort. Attends, tu ne sais pas? Oh, tu ne sais pas que c'est une sorcière? Ma chérie, laisse-moi t'emmener à l'école. Ma mère, je veux dire, ma maman, n'est rien d'autre qu'une sorcière de haut grade. Elle est le cerveau derrière tous mes soucis. Tous les problèmes que je rencontre, c'est elle. Mais elle croit que je ne le sais pas. Dans sa tête, hein? Cette femme est fatiguée de la vie.
Elle-même voit que la vie la fatigue. Elle est vieille. Elle n'a plus aucune valeur. Cette sorcière ne veut pas mourir. Oh, Jessica, ferme-la. Elle veut rester en vie pour me tourmenter. Ma mère utilise mon sang pour allonger son espérance de vie. Elle utilise mon succès pour améliorer son bien-être. Sorcière! Écoute bien, meuf, je ne parle pas des sorcières. C'est clair que tu es jolie bonne fille. Va voir ta mère, demain ta mère, aujourd'hui ta mère. Hé! Hé, hé, ça suffit comme ça. C'est bon. J'irai la voir à mon putain de moment venu. À condition que j'aie même du temps. Je suis cachée. En conclusion, meuf, la ferme. Change de sujet, j'en ai terminé avec. Ta mère, mère, ce ne sera pas mère, mais Mozambique. N'importe quoi. Jessica, pour l'amour de Dieu, de quoi est-ce que tu parles? Tu souhaites littéralement la mort de ta mère. Oh non, Jessica. Écoute, Jessica, ta mère t'aime. Tu lui manques. Et s'il te plaît, tu dois l'apprécier, l'aimer en retour. Elle est ta mère, pour l'amour de Dieu. Écoute, écoute ma puce. Je comprends les circonstances autour de ta naissance, mais tu dois aller de l'avant. Tu dois vraiment oublier ça. Écoute, Jessica, tu dois l'accepter comme ta mère. Oublie toutes ces choses et va de l'avant. Je ne veux en aucun cas que cette femme meure. S'il te plaît, Jessica. Je t'en prie. T'entends ça? Ha! Sérieux? Oh mon Dieu, je chante du brandy. Sérieusement, c'est quoi ce genre de bêtise? Hein? Si cet homme ne vient pas ici, je vais aller là-bas détruire sa famille. Je vais dire à sa femme que lui et moi baisons. C'est lui qui me baise. Hein? Ce n'est pas l'heure où il doit m'appeler? Si cet homme merde, je jure, je vais partir chez lui l'exposer. Je vais tout raconter à sa femme. Qu'il couche avec moi. Elle va lui casser le crâne. Un vieux schnock comme ça. Oui, entrez. Rebe, Rebe. Rebecca. Qu'est-ce qui se passe? Hey! Rebe? Qu'est-ce qui se passe? Ça avait l'air très grave et urgent au téléphone. Je suis très malade. Hey! Je vais mourir. Tu ne mourras pas, à Dieu ne plaise. Je vais mourir. Tu ne mourras pas. Après l'avortement, j'ai eu de grosses douleurs. Non, 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 ne me touche pas. L'avortement, l'avortement, Chief. Le docteur a dit que mes chances de survivre sont de 50-50. Ya! 50-50. Chief, je... Hé! Dans quoi est-ce que je me suis fourré? Hé! Le docteur a dit que pendant l'avortement, que mon utérus a été perforé, que je dois subir une opération. Je dois subir une opération. Yeah. Je ne veux pas mourir. Non, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Je ne veux pas mourir. Hey. Je ne veux pas. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, bébé? Le docteur a dit qu'on doit chercher
500 000 naira pour l'opération. Tu dis 500 000 naira? Je n'ai pas ce genre d'argent. Où est-ce que je vais trouver une telle somme? Je n'ai pas cette somme d'argent. Tif, mon ventre. Tif, je ne veux pas mourir. Je sais que tu peux trouver l'argent. Pardon, Félifort. J'ai atterri ici parce que je ne veux pas t'exposer. Si j'étais à l'hôpital, ta femme aurait été au courant. Ma mère aurait été au courant. Igwe aurait été au courant. Et tu aurais eu des problèmes. Donc, je devais te couvrir. C'est pourquoi je suis venue à cet endroit. Je voulais te couvrir. Ok. Rebe, comme je te l'ai déjà dit, je n'ai pas une telle somme d'argent. Où est-ce que je vais trouver un tel montant? 500 000 naira. Ok. Je n'ai pas cette somme d'argent. Tu peux vendre ton terrain. Vends ton terrain. Tiff, je suis mourante. Je suis fille unique. Tu ne vas pas mourir. Maman. Tiff, je saigne. Je saigne. J'ai une serviette. J'ai mis une protection. Je saigne? Je saigne. J'ai mal à l'utérus. Mon Dieu. Que vais-je faire? Que vais-je faire? Tiff, je ne veux pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tout fie à quoi? Tu ne vas pas mourir. Rebe. Rebe, tu ne mourras pas. Tu ne vas pas mourir. Hey! Tiff, désolé, je suis mourante. Non, non, non. Ça fait mal. Ça fait mal. Hiya! Tiff, s'il te plaît. Tiff, s'il te plaît. Tiff, s'il te plaît, va chercher l'argent. Je ne veux pas mourir. Hey. Vas-y, Tiff. 500 000 naira, Tiff. 500 000 naira, Tiff. Hey, qu'est-ce qui m'arrive? 500 000 naira, Tiff. 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 Hey. Ah. Rebecca, très bientôt, j'aurai 500 000 naira dans mon compte en banque. Dans quoi est-ce que je me suis fourré comme ça? Où est-ce que je vais trouver 500 000 naira pour son opération? Qu'est-ce qui m'a même poussé vers cette fille? Non, mais j'étais fou, quoi. Peut-être que je devrais vendre cette parcelle de terre comme elle a suggéré. Ce n'est pas comme si j'ai de l'argent de côté. Je n'ai plus rien. Je ne veux vraiment pas que ça s'aggrave. Dieu, s'il te plaît, sauve-moi. Je suis un ancien d'église. Je suis aussi un notable en plus. Dieu, sauve-moi de cette situation et je te promets que je n'y retournerai plus. Vers une autre femme. En dehors de ma femme. Et je jure que je ne le ferai plus. Ok, je ferai mieux d'aller voir Igwe. Vu qu'il s'intéresse à ce terrain depuis longtemps. Peut-être qu'il me donnera cet argent rapidement. Je n'ai vraiment aucune autre option si ce n'est ce terrain. Je vais voir Igwe. Qu'est-ce que la vie est belle. Dans ma prochaine vie, je serai une femme. Utilise ce que tu as et obtiens ce que tu veux. La belle vie.
La belle vie. Je le redis encore. Dans ma prochaine vie, je serai toujours une femme. Qu'est-ce que la vie est belle. Je croque la vie. C'est qui? Qui? Attendez, 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 n'entrez pas, j'arrive. J'arrive. Je ne peux pas ouvrir la porte. Je crois que la porte est ouverte. Ça veut dire quoi ça, hein? Pourquoi tu m'effraies comme ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Je croyais que c'est mon client qui frappait. Tu avais l'air paniqué au téléphone. Qu'est-ce qui se passait là? C'est quoi ce délire? Oublie ça. Joins-toi à moi. Je savoure la vie. Je vais te dire quelque chose. Dans notre boulot de pute, on a toujours un gars qu'on aime. Dans ton cas, c'est peu de le dire, hein? Je t'aime d'ici à là. Je suis juste sucrée en bas. Il n'y a que toi qui me fais mouiller. Rebecca, toi. Rebecca, tu ne cesseras jamais de me donner. C'est quoi tout ce matos? Perfusion. Bandage, je ne comprends pas. La perfusion est mon outil de travail. Ton outil de travail? Je suis en feu. Je suis en feu. Je suis en chaleur. J'ai tellement chaud, je suis en chaleur. Viens me baiser ici. Baise ici. Baise ici. Théo, tu veux dire que tu avais l'air désespéré juste pour que je vienne te baiser ici? Envoie-moi au septième ciel. Tu es le seul qui sait me faire jouir. Et j'ai envie de jouir. Rebecca. Mon amour. Tu ne cesseras jamais de m'étonner. Ça chauffe. Il y a le piment. Le piment dans cette sauce. Tu veux me donner la béquille? Je vais te donner. Rapproche-toi. Vas-y, donne. Oh, je transpire. Il y a trop de piment. C'est très déçu. Attends, non. C'est bon. Je peux pas attendre. Je suis en feu. Ah bon? Je suis en feu. Tu sais que je suis sucrée en bas. Tu es sucrée en bas. Ma chatte sucrée. Attends. C'est bien. Allez, pose ça. Viens, la bébé. Tu m'as manqué. Attends. Calme-toi. Je dois retirer mon string. Non, bébé, attends. Attends. Je dois retirer mon string. Calme-toi. Allez, calme-toi. Attends. Je vais le pousser d'un côté. Calme-toi, bébé. Un côté. Laisse tomber. Calme-toi. Attends. Prends le condom. Tu as le condom? Laisse-toi faire, bébé. Oui. Tchekoubé. Maman. J'ai tellement mal. Bois de l'eau, maman. Eh oh. Tchekoubé, tu m'as apporté de l'eau. Maman, depuis le matin, prendre. Je n'ai pas mangé. Maman, je n'ai pas d'argent sur moi en ce moment. Que pouvons-nous faire? Eh oh. Je Tchekoubé, suis désolé, je ne fais que boire de l'eau. Ne t'inquiète pas, ça va aller, maman. Ça va aller, maman. Hé, de l'eau. Désolée, maman. Je ne fais que boire de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Donc, tu dis que tu n'as plus d'argent? Je n'ai rien sur moi actuellement, maman. Je n'ai pas d'argent sur moi, maman. Tchekoubé, appelle ta sœur. Ok. Appelle Ebere Tchoukou. Appelle Ebere Tchoukou. Elle ne décroche pas le téléphone, maman. Eh wow. Appelle-la encore. J'essaye encore de l'appeler.
Est-ce qu'elle décroche? Non, maman. Eh wa! Ne décroche pas. Eh bere tchoukou! Maman, ça ira. On va s'en sortir. Eh bere tchoukou, moi! Calme-toi, maman. C'est bon. Ça ira. Eh bere tchoukou va me tuer, oh! Maman, bois un peu de l'eau. Ma seule fille va me tuer, oh! Maman, Tchoukoubé va demander aux gens de m'aider. Dieu va nous aider, maman. C'est bon. C'est bon, maman. S'il te plaît, calme-toi. Eh oh. Désolée, maman. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur, tu m'as abandonné, oh. La famine ne va pas nous tuer, maman. Tout la famine m'a humilié, oh. Désolée, maman. Maman. Désolée, maman. Peut-elle être? Depuis 3 jours maintenant, je ne l'ai pas vue, même pas une seule fois. J'espère que les hommes avec lesquels elle couche ne l'ont pas livrée en sacrifice. Bam! Que Dieu m'en préserve. Je refuse d'imaginer Pam. Mais ça pourrait être... Mon Dieu, s'il te plaît, pardonne-lui et protège-la pour moi, s'il te plaît, Dieu. Ne permets pas que quelque chose lui arrive, s'il te plaît, pardonne-lui, mon Dieu. Hey. Cache-toi. Écoute, si je perds cet argent, je te jure, tu vas me détester. Cache-toi. Hey, Tineke. Seigneur, je ne veux pas perdre 500 000 naira. Seigneur, ce vieillard, j'espère que tu vas me donner mon argent. Je ne veux pas perdre cet argent. Oui. Entrez. Hey. Rebe. Maman. Hey, Maman. Comment tu vas? Maman. Je t'en prie. Rebe. Maman. Tu sais que je t'aime beaucoup. Comment tu te sens? Maman. Hey. Eh oui, ou... Maman. Surtout, ne fais pas ça, Rebe. Rebecca. Voici 500 000 naira en cash. Tu ne vas pas mourir. Vois-tu, appelle le médecin afin que je lui explique ce qu'il doit faire. Ok? Non. Je ne veux pas que tu parles au médecin. Je ne veux pas que tu t'impliques. Sais-tu si le docteur te connaît? Je ne veux pas que tu sois exposé. Écoute, ne t'en fais pas. Donne-moi juste l'argent. Je vais parler au docteur. Ok? Rebe, j'espère que tu en feras bon usage. Je ne veux plus entendre autre chose. Je ne veux plus vraiment entendre autre chose. Je ne veux absolument que rien ne t'arrive. Je t'en prie, j'ai vendu ma seule parcelle de terrain. S'il te plaît. Chief. Je n'ai plus du tout un autre argent. Tu n'as pas à t'en faire. Le docteur est bon. Il est bon. Je ne veux pas que... Je suis venue à cet endroit parce que je ne veux pas que les gens soient au courant.
Sinon, ils allaient venir avec l'ambulance et m'amener. Ok. Je veux que tu partes avant qu'on ne te voie. Les gens vont te voir. Aïe, Chief, s'il te plaît, ça fait mal. Hey. Je ne veux pas mourir. Bébé, tu ne vas pas mourir. Chief, si je meurs... Tu ne vas pas. À Dieu ne plaise, tu ne mourras Chief, pas. Si je meurs, dans ma prochaine vie, je t'aimerai. Dans ma prochaine vie, si je meurs, je t'aimerai. Je t'aime, Chief. Je t'aime, Rebé. Tu sais que je t'aime. Dans ma prochaine vie, je vais baiser avec toi. Je t'aimerai, Chief. Pars, Chief. Je ne veux pas qu'il vienne te voir ici. Chief, pars. Viens m'embrasser. Fais-moi un dernier bisou avant que je ne meure. Tu ne vas pas mourir. Fais-moi un dernier bisou avant que je meure. Tu ne mourras pas. Juste, soigne-toi bien pour moi. Ok. Prends soin de toi. Putain! Ouais, bébé. Viens. Oh. Bébé! Dis-moi! Bébé! Oh, putain! C'est quoi ton argent? L'argent! Oh, mon Dieu! Méga argent, chérie! Rebé! Tu es une criminelle! Je suis sûre! Tu es une criminelle! Tout cet argent! Oui, chérie! C'est notre argent, je t'aime aussi. Je t'ai dit que j'appartiens à la rue. Je suis vraiment très sucrée en bas. Fais-moi bien l'amour. Allez, viens là. Fais-moi grimper au rideau. Je te connais très fort, bébé. Je crois que je devrais aller dire à cette fille de ne surtout pas dire mon nom à qui que ce soit. Je vais aller la voir. Eh oh! Je le savais! Je le savais très bien! Rebé! Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi mon argent! Donne-moi mon argent, espèce d'escroc! Tu penses que je vais vendre mon unique parcelle de terrain pour toi, ce mec? Seigneur! Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Allons, fuyons d'ici. Tima, viens. Dépêche-toi, on y va. Tima, dépêche-toi. Tima, partons d'ici. Tima, cet homme est mort. Dépêche-toi, ça va. Il est mort. Partons d'ici. Où est ton sac? Tima, où est mon sac? Mets tout cet argent dans ton sac. Tima, où est mon sac? Je sais pas. Tima, c'est sûr. Partons d'ici. Dépêche-toi. Ne traînons pas. Dépêche-toi. Et de qui? Je m'en vais. Tima, allons-y. Fuyons. Fuyons. Il ne respire plus. Partons d'ici. D'accord. Tu as tout pris? Allons-y. La poursuit cette fois-ci. Maman! Rebecca, qu'est-ce qu'il y a? Qui est-ce qui te poursuit? Je m'en vais. Où est-ce que tu pars? Il y a le feu sur la montagne. Quel feu? Où est le feu? Je suis foutue. Pardon. Prends soin de toi. Qui est-ce que tu fuis? Qu'est-ce qui s'est passé? Prends soin de toi. Et si quelqu'un vient ici et demande après Rebecca, dis à cette personne que Rebecca est morte. Prends cet argent. Hein? Je vais revenir. Morte comment? Je m'en vais en ville tout de suite. Prends soin de toi. Qu'est-ce que tu as fait cette fois-ci, Rebecca? Hey! Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends même plus cette fille. Prends cet argent, quel argent? C'est ton argent qui m'intéresse ou ta vie, hein? Rebecca! Hey!
Ah, ah. Mais qu'est-ce qui se passe, non? Qu'est-ce qui retient Shimano? On l'a arrêté. On a trouvé Tiff. On l'a arrêté. Je suis là. Là où je suis là, j'ai très peur. Oh. J'ai très peur. Je ne veux pas que la famille de Tiff vienne me trouver ici. Hein? Où est Tima, non? Où est Tima? Hein? Où est-il passé? Ah! Je pars chez lui. Je pars chez lui. Je pars chez lui. Tu as merdé. Tu as merdé. Comment j'ai pu prendre tout mon cœur comme ça et donner à un homme? Je croyais que Tima était mieux. Je pensais que Tima était mieux que les autres. Hein? Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne peux pas rester dans ce village. Le peu d'argent que j'ai maintenant ne peut pas m'aider. Tima, Tima, je le jure devant Dieu, ce que tu as fait à Rebecca, hein? Ce que tu m'as fait à moi, Rebecca, hein? Tu ne vas pas t'en tirer. En fait, tu le paieras fois 10. Attends voir. En ville, je m'en vais en ville. Je ne peux pas rester ici. Tiff est mort. Si je reste ici, je vais aussi mourir. Je risque de mourir comme Tiff. Je dois m'enfuir. Malheur sera ton partage. Malheur à toi et à toute ta famille. Tu voulais me tuer. Où est Rebecca? Où est ta fille? Regarde ma tête. Regarde ma tête. Vous essayez de me tuer. Vous essayez de me tuer. Le malheur sera votre partage à tous. Le malheur sera votre partage. Regarde. Elle m'a volé l'argent de mon dur labeur, mes 500 000 naira, et a essayé de me tuer. Là où elle est, préviens-la! Préviens-la! Sinon, je te fais arrêter! Où est ta fille? Où est-elle? Regarde ma tête. Quelle fille?
Ta fille ! Celle que tu as chassée du village ? Hein ? Où est-ce que je vais la trouver ? C'est ce que tu me dis. C'est tout ce que tu me dis après avoir volé l'argent de mon dur labeur. Mais 500 000 naira. Et regarde un peu ce qu'elle a fait. Remercie ton Dieu d'être encore en vie parce que je ne sais même pas si ma fille est encore en vie ou si elle est morte. Je vais te faire arrêter. Tu es en vie et tu es ici à jacasser. Tu dois la dénoncer. Tu vas voir. Oui, commissaire, c'est Tifokeke. Il y a une tentative de meurtre par une certaine Rebecca. Elle a volé mon argent et a essayé de me tuer. Qu'est-ce? Oui, je vais vous envoyer l'adresse. Envoyez vos hommes, envoyez vos éléments pour venir arrêter sa mère. Sa mère est juste ici. Pour m'arrêter? Qu'est-ce que j'ai fait? T'arrêter. Hein? Est-ce que c'est pour moi que tu es allé payer l'hôtel? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme si tu es malade. Aidez-moi, 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 aidez-moi. Excusez-moi, avez-vous vu une fille? Une dame, elle porte du vert du haut vers le bas? Non, pas moi. Je viens d'arriver en ville aujourd'hui. Je n'ai pas dit que c'est toi. J'ai juste demandé, as-tu vu une fille, une dame, elle porte un ensemble vert? Ok, une autre personne? Oui. Hein? Ok, elle est partie en bam. Les gars, allons-y. Tu pars là-bas. Allez. Allez, je l'ai vue. Elle est en bas. Continuez. En bas. Peut-être qu'elle a volé. Par là-bas. Odon est là. Odon est après moi. Ferme le portail. Qu'est-ce que passe-t-il? Puisse-moi, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Odon. Ma patronne. Odon, mais pensez. J'ai laissé ma voiture à Ibagora. Pardon, prends un taxi et va la chercher. Mais les clés de ta voiture. C'est resté. C'est dans la voiture, okay. Vas-y. Okay. Hey, ouvre le portail. Ferme le portail dès qu'il met le pied dehors. Oh, t'es con. Hey, j'ai vu ma mort aujourd'hui. Hey, ferme le portail. J'ai garé dans un coin. Un coin à côté d'une poubelle, pas loin de la route. Un bac à ordures. Tu vas le trouver. Ah! Ouvre le portail. Pardon. Salut. Qui êtes-vous? Ah, oh, je te connais. Moi aussi, je te connais. Hier soir, quand tu fuyais. Ouais. Que fait-elle ici, putain?
Ouvre le portail. Pardon. Salut. Qui êtes-vous? Je te connais. Moi aussi, je te connais. Hier soir. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait ici, putain? Non. Que faites-vous là, ma chère? Non. Je me suis couchée là. Je viens d'arriver en ville. Je n'ai nulle part où rester, alors ne te fâche pas contre lui, oh. Il ne m'a pas laissé entrer, donc je n'ai nulle part où rester. Donc je marche partout, je n'ai pas où rester. Tu n'as pas où rester? Je le jure. Pourquoi ça? Tu sais qu'on est entre filles. Et quand je te regarde, la façon dont tu courais hier là, tu connais le boulot. C'est le boulot que je fais. J'ai fait ça au village et j'ai dû fuir en ville pour survivre. Oui, ma sœur. S'il te plaît, ma sœur. Je ne me suis pas lavée depuis hier. J'ai changé de robe. Je me suis maquillée pour les apparences. Aide-moi. Même si c'est la cuisine, je vais rester. S'il faut laver tes soutiens, tes caleçons, je vais les laver. Je t'en prie, ma sœur. Ma sœur, aide-moi. Lève-toi. Je suis prête à te servir. Tais-toi, j'ai pas le temps pour ça. Viens à l'intérieur. J'ai dit entre, tu es sourde ou quoi? Tu veux rester là ou bien? Juste comme ça. Je suis entrée, je suis là. On dit qu'une bonne action mérite une récompense. Aujourd'hui est peut-être ton jour de chance. Je suis pressée, je dois me rendre quelque part. Par contre, toi, tu vas attendre que je rentre. Ensuite, j'écouterai ton histoire et allez, on verra comment j'irai. Que j'entre chez toi? Allez, entre! Toi, ouvre-moi ce putain de portail. Oui. Tout droit, tu vas juste t'asseoir et merci. M'attendre. J'arrive. Merci. Je t'en prie. Ouvre. Mon frère, elle est sérieuse? C'est une ritualiste? Elle ne va pas m'utiliser, tu es sûr? Hey! Oui. Chima, qu'est-ce que tu fais ici? Lovette, c'est tout ce que tu trouves de mieux à dire à un frère qui t'a attendu toute la nuit en dormant sur un canapé? Tu ne m'as même pas demandé si j'ai mangé ou quoi que ce soit. C'est tout ce que tu peux me demander. Oga, je te le demande. Et qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas répondu à ma question. Lovette, je ne suis pas ici pour te demander de l'argent. Pas du tout. Ok, si c'est ce que tu crois, je ne suis pas venu te demander de l'argent. Je suis venu préparer. Écoute-moi d'abord. Écoute. En tout cas, je veux commencer un business ici en ville. Oga, toi, débuter un business ici en ville, dans cette ville. Maintenant, je sais que tu veux me tuer, Chima. Après tout l'argent que je t'ai donné, tu l'as dilapidé. Tu as fini tout cet argent. Et maintenant, tu veux faire un business ici en ville? Écoute, laisse-moi te dire. Ça n'arrivera jamais. Tu m'entends, frérot? Ça ne marchera pas pour toi. Écoute-moi, si c'est une autre de tes stratégies, crois-moi cette fois-ci. Tu y as échoué. Chima, c'est une autre de tes stratégies pour m'estorquer de l'argent. Ça ne marchera pas. Lovette, pourquoi t'es pressée? Pourquoi tu es pressée? Hein? Je te l'ai dit. Je suis prêt. Je suis venu préparer. Tu ne comprends pas ça? Écoute, Lovette, je vais te dire que je suis venu du village avec beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'argent. Hein? Je suis plus en osa, ça. Voici l'argent.
Tout ce que j'attends de toi, c'est un avis d'expert sur le genre de business que je peux faire. Un business lucratif qui me rapportera beaucoup d'argent. J'ai assez d'argent pour lancer un business, regarde. Je n'ai pas besoin de ton fric. Mais Chima, tu as de l'argent. D'où tu sors ça? Comment ça? D'où tu sors tout cet argent? As-tu vendu le terrain de notre père? Hé, hey, Lovette, j'ai la tête de quelqu'un qui vend les terrains. Oui, ça se voit sur toi. Comment as-tu obtenu cet argent, Chima? Mon frère, je te connais très bien. Lovette, écoute, un homme ne doit être... Un homme ne parle pas beaucoup. Donne-moi juste des conseils pour commencer un business lucratif ici en ville. Hein? Quel est ce business dans lequel j'investirai cet argent? Et que je fixerai avant que l'année se termine? Voilà ce que j'attends de toi. Et pas comment j'ai eu cet argent. Chima. Et tu sais, vu que tu as besoin des conseils de ma part, je t'en donnerai. Voilà! Mais as-tu mangé? Là, tu parles bien. Mais apporte-moi d'abord du whisky. Que je rafraîchisse d'abord mon corps. Hein? Dormir sur ce sofa n'est pas facile. Si tu as du whisky, donne-moi. Que je boive d'abord. Ensuite, tu me feras du riz jollof, du poulet et de la salade. Que tu mettras à côté du plat. Beaucoup de salade. Parce que quand je vais... Vas-y, ris. Tu peux te marrer, mon frère. Marre-toi. Mon frère. Oui. Tu auras tout ce que tu veux, ne t'en fais pas. C'est ça, tu as tout compris. T'inquiète pas. Tu sais quoi? Ça, c'est notre maison. Oui. Simplement, va dans la chambre. Mets-toi à l'aise. Pendant que je cherche ça, un truc à manger pour toi. Ça, c'est ma sœur. Tu es la meilleure. Ça, c'est ma sœur. Chima, hein? Mon frère. Joy. Hey! Quel choc! C'est en ville qu'il y a de l'argent. C'est en ville qu'il y a de l'argent. Regardez la maison de mon égal. Ah, regardez la maison d'une fille comme moi. J'étais au village à gâcher mes talents. J'étais au village à gâcher ma carrière. À coucher avec plein de vieillards croyant que je faisais de l'argent. J'ignorais que je gâchais ma carrière. Hey! Rebecca! Donc tu étais bête comme ça? Je jure, je vais devenir riche. Rebecca, tu es arrivée en ville. Tu dois te faire de l'argent. Je vais prouver à Chima que, hein, je suis futée. Vu qu'il a eu le culot de voler l'argent de mon dur labeur et s'enfuir, je vais lui montrer que il va me supplier. Oui. Oui, le slip que je porte maintenant, il ne peut pas l'acheter. Ah, Rebecca. Rebecca, si je ne suis pas bête, je vais finir par m'en sortir. L'argent va me suivre. La ville. Rebecca vient d'atterrir. Tu dois bosser dur. Pour avoir autant de fric, je dois trouver un plan riche. Hey! Et je serai riche. Et je serai riche. Oui, je serai riche. Il me faut seulement un homme. Un blanc qui est très riche et j'aurai plus que ça, j'en suis très sûre. Hey! Hey! Rebecca, avec ta chatte sucrée, mam, avec ta chatte sucrée. Batam. Avec ta chatte.
chatte sucrée. Je sais que tu es contente maintenant, mais tu es contente, mais ne pense pas que ce soit fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore. En fait, remercie ton étoile, parce que les membres de ta famille sont venus me supplier. Tu aurais pourri en prison. Tu aurais pourri en prison. Et laisse-moi te dire, tu dois la retrouver et l'amener à moi, afin qu'elle puisse me rembourser tout ce qu'elle m'a volé. Sinon, tu auras de mes nouvelles. Mazio Keke. Qu'est-ce que tu faisais avec ma fille pour que vous arriviez au niveau où elle te doit? Hein? Maintenant, tu viens jacasser. C'est ce que tu me demandes? Mère d'une prostituée. Telle mère, telle fille. Je te l'ai dit, peut-être que je lui ai enseigné le boulot. Tu lui as enseigné le boulot et tu me poses des questions. Tout le monde sait que ma fille est vulgaire, ça c'est certain. Mais est-ce que ta femme est au courant que tu étais le client de ma fille? C'est tout ce que tu trouves à me dire. Crois-moi, je vais m'assurer qu'elle soit au courant de tout. Et tu n'auras même pas un sou. Espèce de bordel. Chineke. Putain, ce quartier est chic. Donc ce sont des filles comme moi qui ont construit toutes ces maisons. Ce ne sont que des filles que je vois sortir de ce quartier. Et moi, j'étais là au village, enterrée ma vie. Hein? Mais attends, oh. Comment cette fille peut me faire confiance en me laissant chez elle? Et si je vole quelque chose et je m'enfuis, elle le saura? Si j'entre là à l'intérieur et je prends tous ses bijoux, je m'enfuis avec, comment le saura-t-elle? Même le gardien ne me verra pas. Regardez les maisons. Ce sont les filles qui les ont construites. Non. Si j'entre maintenant et je vole son argent, ou je vole autre chose, ça ne m'aidera en rien. C'est mieux que je reste tranquille. J'aurai ma propre maison. Regardez le genre de belles maisons qu'il y a dans ce quartier. Et ce ne sont que les filles qui sortent de là. Hey! L'argent est bien. Qui a dit que l'argent n'est pas bien? La personne a menti. Hein? Je vais utiliser ma sagesse. Je vais utiliser tout ce que j'ai en moi pour construire ma propre piole. Regardez les maisons. Regardez les belles maisons. Hey! Hey! Si je vole maintenant, ils diront que j'ai volé. Il faut seulement que je me respecte, oh. Kia, kia. Hey! Ok. Vas-y. Tu es une braqueuse? Je veux dire, est-ce que tu braques les banques? Parce qu'il n'y a que les grands braqueurs qui ont ce genre de somme. Pardon ce que je dis là, ne te fâche pas, oh. Hein? Tout mon boulot, ce que je fais au village comme boulot, en tant que prostituée, je n'ai jamais eu ce genre de somme, même pas la moitié.
Je n'ai jamais vu. C'est pour ça que je demande. Ne te fâche pas. Putain. Ce qui m'énerve le plus, le pire dans tout ça, c'est que la chance n'est pas de mon côté. Je n'ai absolument pas de chance. Si j'escroque un homme maintenant, un autre viendra après m'escroquer. Et c'est comme ça tout le temps, la malchance. Je vais tout le temps de problème en problème. Eh ben... C'est à cause de ça que j'ai fui, hein? Pour venir en ville, me chercher. Ma sœur, montre-moi la route. Je vais te dire un truc. Ma poitrine est derrière. J'ai tué quelqu'un. J'ai pris son argent. Et j'ai fui. J'ai dû fuir. Donne-moi une minute. Ok. 198, 199, 200. Ok. Lève-toi. Je te montre mon derrière. Tourne sur toi. J'ai des courbeaux. J'ai des courbes. Tu portes beaucoup d'argent. L'argent? Les dollars. Ta robe? Des dollars. Tu portes des dollars. Et je porte des dollars. Parce que tu aimes l'argent. J'adore l'argent. J'adore l'argent aussi. Meuf, j'aime l'argent. Allez, vas-y, tu peux te rasseoir. Je t'aime bien. Merci. J'aime le fait que tu adores l'argent. Parce que j'aime le fric. L'argent est sucré. Sucré au milieu. Parce que je t'aime. Ne t'en fais pas. Je vais t'enseigner comment je me fais de l'argent. Ici, dans cette ville. Hey, ma puce. Tu vas m'apprendre. Je t'apprendrai. Tu vas m'apprendre à avoir des dollars. Ouais. Ah, merci. Ouais. Que Dieu te bénisse. Rassois-toi, meuf. Merci. Laisse-moi finir de compter mon fric. Compte, je te laisse. Ah. Je m'occupe de mes affaires. Ça, c'est un bon business. Ça peut donner un orgasme, tu crois pas? Je ne comprends pas. Quand je compte, ça fait... C'est ça, un orgasme, meuf. Attends, tu vas voir. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, ça va? 10, 11, oh merde. C'est l'argent m'a déjà fait jouir. C'est ça, ça va aller. Hey, Joey.
l'enfant de quelqu'un est beau. Et il est mignon en plus. Hey. Regardez, regardez, regardez. Regardez la grosseur de son matos. Ce carré blanc. Joy. Kai. Jessica est forte, hein? Regardez ce qu'elle mange. Et c'est comme si... C'est comme s'il dure beaucoup au lit. Putain, Dieu s'est créé, hein? Il s'est créé. Putain. Hey. Chima. Je ne sais pas, je ne suis toujours pas convaincue. Oui, je ne suis toujours pas convaincue. Chima, dis-moi la vérité. Ouvre-toi à moi. Comment tu as eu cet argent? Le business, sœurette, le business. Comment je peux me faire tout cet argent si ce n'est le business? Comment? Dans ce cas, si c'est le business, pourquoi es-tu venue en ville? Et de toute évidence, ça semble être un business très lucratif. Pourquoi ne pas continuer avec? Pourquoi es-tu venu ici? En tout cas, il faut que je sois honnête avec toi. Je vais être honnête avec toi, d'accord? Écoute, je vais te dire un truc. Tous les jeunes de notre village sont des arnaqueurs. Les mecs sont tous des arnaqueurs. Et pas que les jeunes, même les pères. Pareil pour les élèves du primaire, sont dans l'arnaque. Alors, après réflexion, je me suis dit, pourquoi ne pas les rejoindre? Hein? Donc, j'ai fait un coup d'essai, un coup de maître, un mougou est tombé, et j'ai décaissé. Tu comprends, tu sais ce que c'est que le décaissement, j'ai juste décaissé. Voilà, j'ai décaissé. Voilà. Donc après mon décaissement, je me suis dit, il faudrait mieux que j'utilise bien cet argent. Parce que cette histoire d'arnaque, c'est pour un temps. Et tu sais, arnaque n'est pas facile, je veux mon propre argent pour mon propre business. Voilà pourquoi je suis là, pour investir cet argent. Et je fais quelque chose de mal, je veux juste investir mon argent. Tu sais, quand je te regarde, écoute, Chima. Tu sais que je suis ta sœur. Et tu sais de quoi je suis capable. Et tu dois me dire la vérité. Ah! Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai de la peine à te croire. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Le fait, c'est quoi ton problème? Dis-moi la vérité pour que demain, si quoi que ce soit arrive, que je sois capable de te couvrir. Tu sais quel est ton problème? Tu sais vraiment quel est ton problème? Voilà, tu crois être la seule personne futée dans notre famille. Tu sous-estimes tout le temps mon intelligence. Oui! Tu crois être la seule personne rusée dans notre famille. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Chima, que tu vois, est plus rusée que toi. Je suis de très très loin futée que toi. Hein? Qu'est-ce que tu insinues quand tu me demandes de te dire la vérité? Je te crois pas. Je peux pas me faire de l'argent. Juste pour gagner de l'argent. J'en suis incapable. Je te dis la vérité, toi tu me dis dis-moi la vérité. Quelle autre vérité veux-tu entendre? Chima. 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 Lovette. Ah. Ne va-t-il plus ressortir? Qu'est-ce qu'il fait dans la chambre? Je pars dans sa chambre. Je fais quoi maintenant? Qu'est-ce que tu as? Ma chérie,
Ma cheville. Ta cheville? Ma cheville. Ah, du non, 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 non. Hey, c'est mais tu as dit que c'est ta cheville. Ah, oui, la cheville de ma hanche. Désolé. Je me suis cogné les policiers. Désolé. Ah, non, 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 ma cheville. Ah, je. Ma cheville. Désolé. Ah. Ça va aller, hein? Oui, ça va aller. Masse-moi bien. Ah. Ouais. Oui, continue de masser. Là-bas. Là? Là-bas. Continue okay. de masser. Oh, non, 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 non. Ah, je suis très sucrée en bas. Continue. Ici, juste là. Continue, non? Ah. Ah. Continue de le faire. Désolée. Sucrée en bas. Si sucrée en bas.